Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un petit vlog avec nous. Donc on est au Grand National de Vittel. Bah personne ne sait. Ah! Souci technique! Personne ne le savait en fait, j'ai seulement mis sur Instagram là. Du coup on est parti à 9h20 de chez Stéphanie, on est arrivé à 10h38. Donc nous sommes bien arrivés et nous allons direction le dressage, je crois, ce matin. Ouais. Cet après-midi c'est CCO. CCO. TSO! Je vais y arriver. Et cross. Donc ben voilà, on vous emmène avec nous. Et du coup, il n'y a pas le cross. Bah oui, du coup, ils nous disent pas oh, où. Toussaint, Nicolas. Mais ils nous disent pas où est le cross. Ah, il est là. Bah ouais, t'as vu. Putain. Romain Sens, regarde c'est qui. Ah oui. On se connaît que les deux là. Hein. Tu vas pas? Non, j'ai pas envie. Ah, c'est les trucs de cross, ceux-là. Ouais. Oh, putain, la vache. Ouais. On repère les lieux. Et en le fait. CSO, c'est à quelle heure, t'as dit ? Le CSO, c'était à partir de 9h30. On arrive dans le creux, quoi. Oui, parce que là, il n'y a pas de chevaux, clairement. Ouais, moi aussi. Moi, c'est pour la plus grande, quand même, hein. Déjà. Clarisse, la syncope. Ah oui, cool. C'est ça qu'il nous fallait. On croirait qu'on est des meufs en train de bosser. Tu révises tes cours, Clarisse? Non. Là aussi, c'est l'écurie de... Eddie. Ouais. Bah, c'est aussi l'écurie de Mareva, enfin pas de Mareva, avec de son mec. Là on est au départ de l'épreuve, c'est quoi? Pro Elite, attendez, je vous montre. Ouais. Non, attends. Ça va pas. C'est celle-là. Ah, mais il y a un autre plan là. Un plan mieux? Ah, non, mais. Ça y est, j'ai trouvé. Ils font celui-là. Amateur 1, ils font celui-là de ces ceux. Ah. Donc nous, on regarde ça. Donc on est en train d'attendre le départ de Pro Elite. Nous sommes au drapeau vert, là, je sais pas c'est quoi le drapeau vert. Et du coup, ça commence à 11h30. Et il est 29, donc le voilà le point. Donc c'est parti. Également sans aucune difficulté, on va aller vers le troisième obstacle, on se met en jambe. Le troisième obstacle, le premier qui est on va l'observer. Donc là on voit pas ce qu'on filme. On a été se chercher des sandwichs. Aide-moi un petit oasis. Oui. Et du coup on va chercher. Ah, le cheval. On va chercher le guet. Parce qu'en fait on veut juste voir le guet. Pas juste, non. Non c'est vrai, on veut pas que voir le guet. Et on va manger au guet en fait. Voilà. S'il y a de l'ombre quoi. S'il y a de l'ombre, mais je pense que oui. Oui, fallait prévoir, on aurait dû venir en botte. Ah putain. Nous atterrissons donc dans un verger. On sait pas où on est. Le guide. On est là, on traverse la forêt. Donc là il doit y avoir le 4A, 4B. Allez go. On va arriver au 4A. Ok. On en est très loin. Eh ben, comme que au 4. Hein. Allez, courage. Nous devons aller au 13. Au pire, on s'arrêtera pour manger. Je crois qu'il va falloir qu'on se pousse hein, quand même. 4B. 4B. Ben oui, saute, non mais la taille. Oh là là. Les obstacles sont aussi grands que nous. Non mais t'as vu que la largeur. Oh putain. Lily, elle son bide, il touche partout là. Mais elle saute pas, je te signale. Le 4B. On peut peut-être se décaler, j'ai peur. Bon, on voudrait bien s'installer pour manger. Mais il y en a un qui arrive. Une blague, hein. Bien sûr que c'est une blague. J'espère que vous croyez pas tout ce qu'on dit hein, parce que. Mal barré. Ah bah il saute pas. C'était un fail. Nous n'avons toujours pas trouvé le bon guet. Mais nous avons toujours pas trouvé le sandwich.
Clarisse est sur son sac. On va se faire écraser là. Faut qu'on se pousse. C'est sûr qu'il peut... Ouais, on a 4 minutes. 50 pour Raphaël Cochet. Ça monte là. Et l'équipe du cadre noir IFCE concept PGO, eh bien, qui. Très bonne rentrée sur le compte. Oh, il en peut plus. C'est une meuf, c'est Ariane. Après, c'est Karim et après, c'est Romain. Ok. Je vais faire un malaise. Donc, on part sur un échec de vie. On part sur un échec de vie. On a trop faim et on est épuisé. Hey, mais ça monte quand même beaucoup là, on dirait pas. Mais... Ouais. Tu veux dire quelque chose, Michel ? Oh non, j'ai faim. Au final, on les aura quand même tous vus passer. Ça, c'est le neuf. Oh là là. Non, mais ils en peuvent plus, les chevaux. Eh bien, on est dans le temps. Bravo. Ça arrive toujours très rapide avec Triton. La propriété de Philippe Lemoine et de Guy Lestat. Bravo à Karim. Non mais les chevaux. T'entends comment il souffle le cheval? Il a caressé son ouais. cheval. Ouais. C'est le seul. Hein. Il y va, non? Ouais. Je suis motivée comme tu peux le voir. Je le vois. Ah, ça commence à me piquer le cul. On regarde où il tape. Donc là, le 12. On a deux doigts de trouver le guet. Oh non, c'est pas le 12. Oh putain. On s'est fait chelou. Et dans quelques instants. Ah, il a... ah, c'est bon, le 12 est là. On va le trouver, on va le trouver. Il remonte là-haut. Ouais, c'est ça. On a trouvé le guet. Quand on voit le monde qu'il y a. Nous allons pas rester. On sait que c'est là. Oui, oui, mais bon, après qu'il n'ait pas mis de l'eau, ça c'est carrément pas normal. Quoi. Surtout, c'est qu'il. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est abandonné. Ah, il arrête? Ah, puis en plus, il abandonne. Le v'là. Ah, c'était Mathieu Lemoine. On marche. On va voir les écuries? Ouais. Allez, go. Si on a le droit. Si on a le droit.
Bonne route, ta Véronique Réal, le temps imparti, 6 minutes. Tout à l'heure, on se met devant le... Le 5. Le 5, c'est pas celui-là. Là, on se met devant le 15 ou le 16, je sais pas. Ben, il le passe pas. Pour, Tout va bien sur l'obstacle 7 et l'obstacle numéro 8 pour Véronique Réal, Urfé de la Barbaye. On est sur la fin de parcours pour Gwendoline Fer. Elle va nous rejoindre dans quelques petites minutes. Parce que là, c'est que le prof, du coup, les parcours. On voit pas le CSO, il nous montre pas le CSO. Ah. Tiens. De cheval Grand Est, parce que ce sont des éleveurs. Un stand Edo est présent. Bien franchi, l'obstacle 12, la table de l'atelier traiteur également présent. Du côté de c'est amateur 1. La verticale, la bêche à marouche, la combinaison et qui action, ainsi que la haie des jardins, terre idéale. Je vais commenter. Elle est douceur, d'accord. N'empêche, c'est entrée libre, entrée free, quoi. Ouais, c'est vrai. Faites votre vie normale. Tu veux lequel? Je moi, je te propose amateur élite. On passe au dessin numéro 15 du dessin des femmes amateurs. Lilou, du Castin, est associé à Julien, Sunrise et Tétien, 150. On ne regrette rien. Oh, j'ai tellement mal à la tête. Oh la vache. Tu veux une bonne nouvelle? Ma clim, elle marche plus. On est parti à 15h15 de là-bas, ça commence à me... Parce qu'on avait trop chaud et puis que de toute façon on avait vu un peu de tout. Et on s'est tapé des coups de soleil. Voilà. Est-ce que vous les voyez? Oui, oh magnifique. Je vous dis à la semaine prochaine, bisous.